Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance après ces courtes semaines de vacances. Donc essentiellement un mix entre des éléments de cardio-respiratoire et renforcement musculaire. Toujours le traditionnel échauffement en musique. Avant de commencer, je vous laisse vous munir de vos chaussures de sport et d'une bouteille d'eau. On y va. Allez, on va commencer par des grands cercles de bras sur les côtés. On y va. Les épaules toujours bien abaissées. Les mains au niveau de la taille, les coudes vers l'arrière, épaules basses. Pointe devant, pied flex, genou légèrement fléchi. Étirez sur le côté, les épaules basses. Et là, ici, hop, je regarde ma main et elle court le long de mon corps. Les bras et on se retrouvera pour des petites flexions. Le dos étiré, les pieds parallèles, largeur bassin, et je descends et je monte. Les mains sur les hanches, les coudes légèrement vers l'arrière, je dégage la poitrine. Étirez bien les bras sur les côtés. Pointe, pointe. Tout petit peu plus rapide. Allez, vous pouvez vous préparer pour la première série qui sera plutôt tonique au niveau respiratoire et ensuite on fera des éléments de gainage, le tout en position debout. Donc ici, le premier, on part sur une première série de 20 secondes, d'accord? Donc, 4 éléments, les pieds, 4 mouvements, les pieds parallèles à la largeur bassin, je garde le dos bien droit. Je vais faire un pas en arrière, je descends en fente. Je plie les deux genoux,
le ventre bien serré là, je remonte tout vers le bas, j'allonge bien mes épaules, puis je vais pousser avec la jambe arrière, venir pied flex devant, pas trop haut, faire un kick en cherchant la hauteur. Je pose mon pied et je change de côté, d'accord? Hop, pied flex et je change de côté. On est parti sur 20 secondes, attention, c'est parti. Allez, descends, kick jambe droite et tu changes, kick jambe gauche et tu changes, kick jambe droite et tu changes. Allez, encore une fois, gauche, et vous relâchez. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, vous avez la longueur de votre tapis. Je fais un double petit pas chassé ou un grand pas, jambes pliées, enfin deux grands pas sur le côté, jambes pliées, d'accord? Suivi d'un squat, donc 1, 2, pieds parallèles, tu descends et tu montes en décollant les talons. Et tu fais pareil de l'autre côté, 1, 2, et squat, d'accord? Vous pouvez le faire aussi avec le petit rebond, comme vous préférez. On est parti sur 20 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, 1, 2, squat en décollant les talons. Et 1, 2, les jambes bien pliées, les talons au sol. 1, 2, encore. 1, 2, à votre rythme, je peux faire le chassé. Le dos bien étiré. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, relâchez, super. Le troisième exercice, je fais un squat et une extension de jambes sur le côté. D'accord? Donc ici, je descends, je remonte, je tends la jambe, pied flex. Je suis en appui sur la jambe droite. D'accord? Ici, hop, je reviens. Et je change, je n'ai pas obligé de monter la jambe trop haut, vous inclinez légèrement le buste, vous serrez le bas du ventre, hop, et je reviens, d'accord? 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, tendu, échange, tendu, échange. Allez, je vais rajouter les bras si ça va. On respire. Si je le sens au niveau des genoux, je descends moins bas. Encore. Allez, 3, 2, 1, et relâchez, ça fait déjà 20 secondes. Le dernier, vous imaginez que vous avez quelque chose dans lequel taper devant vous et vous allez faire démouliner, d'accord? Donc ici, option 1, je fais une marche sur place sans sauter, d'accord? Ou alors, je saute, d'accord? Et là, soit à hauteur ici, du visage, un peu plus haut que le visage, soit ici à hauteur du sternum, en fonction de vos sensations dans les épaules, vous allez voir, ça chauffe, d'accord? On est parti sur 20 secondes. Allez, soit ici, soit en haut. Ah, j'ai fait des moulinets, j'imagine que je frappe quelque chose devant moi. Hop, les épaules basses. Je peux aussi ne pas sauter. Allez, moulinets, moulinets, moulinets. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez, ok, nous avons fait nos 4 mouvements sur 20 secondes. Je vous montre maintenant 4 postures de gainage, d'accord? Ça vous permet de redescendre en cardio et de travailler les muscles profonds de la posture. Donc ici, le premier, c'est une position de la chaise. Vous avez les pieds plutôt serrés, parallèles à la largeur du bassin. Vous poussez les fesses vers l'arrière, vous allongez le dos. Je remonte la fermeture éclair du pantalon, j'aspire le nombril sous les côtes. Contre la colonne vertébrale, le poids de corps sur les talons. Ici, j'allonge bien le dos et je vais souffler, monter les bras le plus haut possible sans monter les épaules. Inspirez, descendre. On y va sur 20 secondes. Allez, on souffle et on inspire. Très bien. Essayez de garder votre centrage, le bas du ventre engagé. Mouvement des épaules sans monter les bras. Encore 3. 2, 1, et je pousse dans les talons, je remonte, super, ça sera notre premier exercice de gainage. Le deuxième, c'est une grande fente, donc j'ai les pieds légèrement décalés sur le côté, hop, je viens faire un pas en arrière, jambe droite, je fléchis jambe gauche, la jambe droite est tendue, j'étire un peu les fléchisseurs de hanche, je redresse mon dos, les bras
en ouverture dans le prolongement des épaules, souffle, torsion côté, jambes pliées devant et inspire, reviens. C'est parti, maintenant. Allez, expire, torsion. Inspire, reviens. Bien évidemment, rien ne bouge au niveau des jambes. Allez, encore. Je ne vais pas chercher trop loin. J'essore ma taille. Allez, encore. Super. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Et je me grandis. Super, je reviens. Évidemment, il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant, la jambe droite qui est devant, la jambe gauche qui est derrière. Talon décollé, le bassin dans l'axe. Fléchis ta jambe. De devant, redresse ton dos et c'est parti. Expire. Torsion, serre le bas du ventre. Inspire, reviens. Encore. Expire, torsion. Inspire, reviens. Les bras toujours bien détendus, les épaules basses. Le menton aligné avec le sternum. Allez, encore. 3, 2, 1. Et je reviens, je relâche. Ok, super. Le dernier. Position du squat écart, du squat sumo. Les orteils légèrement vers l'extérieur. Je viens m'asseoir dans la posture en éloignant les genoux vers l'extérieur et en dirigeant le bas du dos vers le sol. Je redresse bien mon dos, les mains en prière au niveau du sternum. Et ça va faire. Inspire, ouvre les bras. Et souffle, fais une pression devant toi, comme si hein, tu pressais une balle devant toi et tu arrives les mains en prière. D'accord? On est parti sur 20 secondes. Un pur bonheur pour les adducteurs. Allez, c'est parti. Inspire, ouvre. Et souffle. Encore, inspire. Sors bien la cage thoracique là, mais sans accentuer la cambrure dans le dos. On cherche hein, à resserrer les omoplates le long de la colonne vertébrale et on presse une balle imaginaire entre ses deux mains quand on revient. En soufflant. 3, 2, 1 et relâchez. Ok, j'espère que cette fois-ci vous êtes échauffés puisque ces deux-là, c'était simplement, ces deux séries-là, c'était simplement hein, pour vous faire une mise en bouche. On va maintenant recommencer ça une fois sur 30 secondes et une fois sur 40 secondes. D'accord? Et après ça, je pense que vous aurez bien travaillé. N'hésitez pas à boire un coup. Car cette fois-ci, on est parti. Vous avez déjà fait les mouvements une fois, donc vous pouvez hein, adapter la vitesse, adapter le rythme et l'amplitude. On commence avec ici la fente kick alternée, droite à gauche. Cette fois-ci, on est sur 30 secondes. Les pieds parallèles à la largeur du bassin. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, une fente arrière et kick sans que le dos ne parte en arrière. À votre rythme. Je ne descends pas trop bas si je le sens dans les genoux, bien évidemment. Très bien. Essayez de tenir le gainage pour tenir l'équilibre. Fixez un point, il reste 10 secondes. Et souffle. Allez, très bien. Encore, 3, 2, 1, et relâchez, super. Le suivant, pas chassé, d'accord, avec le squat, ou alors deux grands pas. On y va, 3, 2, 1, je pars sur le côté, et 1, 2, les fesses vers l'arrière, les jambes pliées, et 1, 2, squat, allez, encore, 1, 2, mettez-y l'énergie, n'oubliez pas de bien marquer l'arrêt. Encore. Allez, 1, 2, super. Encore, 1, 2, pieds bien ancrés dans le sol. Encore 10 secondes. Ça doit monter en cardio, attention. Hein. Allez, on souffle bien. Encore. Allez, dernier. Et relâchez, super. Le troisième, un squat. Et une extension de jambes sur les côtés. Alternez droite à gauche. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Pied flex, je tends la jambe sur le côté. Je fais travailler les moyens fessiers. J'allonge bien mon dos. Allez, encore. On souffle.
Très bien. Encore 10 petites secondes. Vous avez vu que 30 secondes, hein, ça rajoute de la difficulté. Ça doit commencer à chauffer dans les fessiers chez vous. Allez, 3, 2, 1. Et relâchez. Super. Le dernier. Les moulinets, hein, le sac de boxe que je viens taper, tourner soit autour du visage, soit juste au-dessus au niveau du front. Les épaules basses. 3, 2, 1. On y va, soit ici sur place, tranquillou, sans courir, soit un peu plus tonique, avec un petit saut. Allez, 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 le plus vite possible le moulier. On y va, on y va, on y va, on y va. 15 secondes déjà. Inspire par le nez, souffle bien par la bouche. On serre le bas du ventre, on l'amortit, les coups, allez. On amortit sur les genoux. Encore, 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 on lâche pas. 3, 2, 1. Lâchez, respirez, super. Normalement, vous devez commencer à être aussi essoufflé que moi, voire plus, hein. Allez, j'espère que vous vous y mettez à fond. On passe sur la phase gainage, tenue des postures, cette fois-ci 30 secondes, d'accord. Je rappelle que le premier, c'est la chaise. Les pieds parallèles à la largeur du bassin. Les genoux bien dans l'axe. Je pousse les fesses vers l'arrière, le dos long. Je m'installe. L'amplitude, c'est votre choix. Je remonte la fermeture éclair du pantalon, j'enroule le coccyx entre les fesses. Les bras devant. Attention, 3, 2, 1. Souffle, monte les bras en descendant les épaules. Inspire, descend. Allez, encore. Toujours le dos long. Toujours le nombril aspiré vers l'intérieur et vers le haut. Allez, le poids de corps sur les talons. Encore. Allez, on descend si ça va, hein. On vient s'asseoir plus confortablement sur la chaise. 3. Allez, 2. 1. Et vous remontez. Très bien. Le deuxième. Je descends. Flexion du genou avant, jambe tendue derrière, bassin dans l'axe. On engage les fessiers, on serre le bas du ventre. Les bras à hauteur d'épaule. 3, 2, 1. Expire, torsion. Inspire, reviens. Bien entendu, les jambes ne bougent pas. C'est votre taille qui s'essore. Allez. Épaules basses. Encore. Travaillez vos obliques. Allez. On souffle bien. Encore 10 secondes. Deux. Un. Et revenez, très bien. Même chose de l'autre côté. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Le talon décollé. Je descends. Je ramène le bassin. Je contracte les fessiers. J'étire les bras, j'allonge le dos. 3, 2, 1. Et c'est parti. On essore la taille. N'allez pas chercher trop loin. Essayez de sentir que c'est vos obliques qui travaillent. Rythmez la respiration avec le mouvement. Épaules basses. Allez, 3, 2, 1. Revenez au centre et relâchez. Ok, le dernier. Orteil vers l'extérieur, la position du squat sumo. Genou vers l'extérieur, je m'installe dans la position. Je m'assure que le coccyx est vers le sol, que le ventre est aspiré vers l'intérieur. Les mains en prière devant moi. À l'inspire, j'ouvre. Allez, c'est parti. Inspire, tu ouvres, tu resserres les omoplates, ça ne bouge pas au niveau du dos. Creuse le ventre, souffle. Inspire et souffle. Si ça va, je descends plus bas, bien évidemment. Hein, c'est vous qui choisissez. Allez, on resserre la balle imaginaire devant soi. Allez, encore. Resserre les omoplates en ouvrant. Serre le bas du ventre, remonte le bas du ventre en fermant. Allez, encore deux. 1, et on remonte, super. Et bien très bien, buvez un coup. Il nous reste une série, cette fois-ci, de 40 secondes. 4 mouvements de cardio, 4 mouvements de gainage, vous les connaissez par cœur. Ça va être que du bonheur. Alors, le premier,
devant. D'accord? Donc, fente arrière, kick droite, kick gauche, j'alterne. On est parti sur 40 secondes, attention. 3, 2, 1, go! Allez, je descends et flexe et je change. Vous mettez le rythme qui vous va bien, mais normalement sur la dernière, vous êtes tellement bien que vous y allez. Hein. Allez, on saute des bras. On cède de son gainage. On fixe un point. Allez, encore 10 secondes. C'est là qu'on sent la différence entre 20, 30 et 40. Allez, encore. Allez, allez, courage. Dernier, et relâchez. Super. Le tueur, les pas chassés avec le squat. Soit un double grand pas, soit un double pas chassé. 3, 2, 1, let's go. Pliez les jambes. 1, 2, tu bloques et tu fais un grand squat. 1, 2, allez, encore. 1, 2, on allonge le dos, on souffle. Allez, très bien. Encore. On est à 15 secondes déjà. Encore. On souffle. 3, 2, 1. On en a fini pour celui-là. Respirez, il nous en reste deux cardio. Le troisième, c'est le squat avec battement de jambes sur le côté. Reprenez bien votre souffle. On est reparti dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Allez, on tend bien la jambe sur le côté. Tendu. On met les bras. On s'envole. Allez. Encore. L'objectif est de monter en cardio. Encore 20 petites secondes. Allez, allez, c'est l'avant-dernier. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, super. Il nous reste les sacs de boxe. Je rappelle, soit à hauteur du sternum, soit un peu plus haut. Mais plus engageant pour les épaules. On y va? Je peux courir ou non, d'accord? 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on y va. On tape, on tape, on tape. On respire. On mouline. Allez, encore. On souffle bien. Allez. C'est la dernière série, donc on y va. Hein. Allez, 20 secondes encore. On mouline. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Super! Prenez juste un petit instant et on enchaîne avec les postures de gainage. Travail des muscles profonds, de la sphincter abdominale, du dos, des obliques, des jambes, de la posture. Allez, on commence avec la chaise. Inspirez, faites bien le vide dans les poumons, soufflant. Et on est parti. Je descends, je m'installe, j'allonge le dos et souffle donc les bras. Inspire, descends. Je sens le travail dans les cuisses. Je sens le travail dans le dos. Je sens la mobilité dans les épaules. Allez, encore 10 secondes. On descend plus bas si ça va. Allez, courage. Il ne nous reste plus que 3 postures après celle-là. Allez, encore. 3, 2, 1. Et relâchez. Très bien. La deuxième, c'est la grande fente. Jambe gauche devant,
Jambe-toi derrière, décolle ton talon, allonge ton dos, étire les bras sur le côté. 3, 2, 1, torsion. Super, encore. C'est le moment de prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Pliez la jambe de devant si ça va. Gardez la tonicité dans les jambes. Contractez les fessiers volontairement. Allez, encore 10 secondes. Mobilisez votre colonne. C'est très bien. Allez, encore. 3, 2, 1. Merveilleux. Deuxième côté. Allez, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Talon décollé. Le regard devant, le dos long, tu fléchis. Super. Maintenant, tu es installé. Tu contractes les fessiers. Les bras à hauteur d'épaule. Et go. Torsion. Creusez le bas du ventre. Étirez-vous bien. Essorez votre taille. Et bien évidemment, les bras restent toniques. Hein. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Super, le dernier, on n'oublie pas le dernier, la position du squat, jambes écartées, les orteils vers l'extérieur. Coccyx vers le sol, je ne fais que descendre d'un étage, j'étire mon dos, les mains en prière devant moi, on est parti sur 40 secondes. Inspire, ouvre, et souffle, referme, comme si tu pressais l'air devant toi. Et si ça va, je descends. Allez, encore. Prière, main au niveau du sternum. Allonge la nuque. Inspire et expire. Encore. Inspire et expire. Encore 20 secondes. Jusqu'au bout, je tiens. Et expire. Super, relâchez un peu les jambes, buvez un coup, j'espère que ça va toujours chez vous. On va finir avec des petits mouvements d'étirement. Bravo! J'espère que vous transpirez autant que moi je transpire et que c'est pas à cause du chauffage. Allez, ici, regardez ce qu'on va venir faire comme mouvement pour travailler tout en longueur. Vous allez venir mettre les mains au niveau du sternum ici, les épaules basses. Et là, je vais monter le coude droit, baisser le coude gauche. Ok ? En inspirant, je vais étirer les bras dans la diagonale. Et soufflez, ramenez, détendez. Et inspire, va chercher le plus de longueur en descendant les épaules. Allez, les genoux légèrement relâchés. Encore 3 de ce côté. Encore 2. Encore 1. On va chercher le plus loin possible, sans monter les épaules. Et relâche. Ok, même chose de l'autre côté. Le coude gauche monte, le coude droit descend. Les épaules descendent. Le ventre aspiré vers l'intérieur. Et 5. Et 4. 3. 2. Sentez l'étirement là dans tout le bras, dans tout le haut du corps. Un dernier. Étirez, revenez et relâchez. Ok. On vient ici. Faire une flexion de hanche, le dos long. Allez, on étire en allongeant bien le dos. Et vous devez venir sentir ici l'arrière de vos jambes. Le poids de corps plutôt à l'avant, main sur les hanches. Allez, je fais des petits mouvements de tête, de droite à gauche.
2, 1, reviens au centre, plie les jambes, relâche le buste sur les cuisses et déroule doucement la colonne pour remonter vertèbre après vertèbre. Ok, alors ici, vous allez venir placer vos mains, croiser vos mains. J'ai la main gauche qui vient passer derrière, rattraper la main droite et attraper la faire un joli point. Vous avez maintenant la main contre la hanche. Abaissez les épaules et là vous allez incliner la tête côté, point fermé. Et étirez le côté de la nuque. Dégagez la cage. Revenez doucement en ramenant la tête dans l'axe. Prenez un instant et changez. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient rattraper la main gauche. J'attrape mes mains l'une avec l'autre et je viens me caler contre ma hanche. J'abaisse les épaules et je viens incliner la tête côté gauche. Vous pouvez mettre le menton légèrement vers le sternum pour mieux le sentir. Relâchez les genoux. Relâchez les bras et on va monter une dernière fois. Montez les bras le plus haut possible en montant les épaules. Inspirez, soufflez, abaissez les épaules. Encore deux fois. Inspire, tu montes. Et souffle, tu descends. Dernière fois. Et souffle, tu descends. Tu descends les bras et je vous dis un grand bravo pour cette séance. Un grand merci, j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous a donné un peu d'énergie pour le reste de votre journée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.